Pardon. Conférence après-midi, 16 août 2024. Un cadre d'état d'urgence qui est décrété sous Tech Zone dans deux départements BIA, la Palais de l'Ouest avec la Tibonite, sous l'ordre commandant en chef là, M. Normil Rameau, moi viens présenter nous bilan, opération et intervention diverses unités spécialisées dans la police là, étant même pendant la semaine ça, sorti lundi 12 pour arriver vendredi 16 d'août 2024. Jour qui était jeudi 15 l'an, après un filatif que la police te menait, yon menait une opération dans la zone Kafourita,
dans un hôtel qui porte le nom Envahi. Dans le moment de l'opération, 5 individus qui étaient armés lourdement, arrivés mortellement blessés, après échange coup de balle avec la police. 3 dans les armes ont saisi, parmi eux, 2 marches longues. Parmi 5 individus qui arrivaient stoppés dans l'échange coup de balle avec la police, il y a un certain Casales Blanco, qui était un synonyme gros fanfan. Lui, c'est propriétaire hôtel ça, Envahi. Casales Blanco, c'est un évadé prison qui était écroué sous une pénitentiaire nationale sous nom ça. Gros fanfan, tout, c'est membre association criminelle qui relève vivre ensemble. Travaille, c'est porter munitions et armes dans tout foyer gang ça. Dans le moment de l'opération, la police a arrêté 13 individus, parmi eux 3 policiers. Malheureusement, dans le cadre de l'opération, nous avons un policier qui est légèrement blessé et qui pour l'instant prend soin de l'hôpital que cal nécessite. Toujours dans le cadre de l'opération, la police arrive à saisir un pistolet russe. Yon pistolet Taurus PT-08-09, série TFW-17-407, ak yon chargeur. Yon fusil M14, que nous capable constater là, avec 10 chargeurs. Yon couteau Holter, yon Pemenot, 3 téléphones Android, Mac Samsung couleur noir et gris. Yon Motorola couleur bleue. Un petit téléphone avec bouton Macatel couleur gris, 173 cartouches de couleur de calibre pardon différent. Un véhicule de marque Ford Explorer couleur blanche sans plaque. Toujours dans même périmètre ça, opération la police a continué. Ils arrivaient à arrêter 2 journalistes que n'a gardé là. Jeune journaliste ça yo c'est Banat Daniel ak Richelson Sénéjust. Richelson Sénéjust a travaillé dans radio Panou tandis que journaliste Banat Daniel a travaillé dans radio Regard. Monsieur ça yo yoté dans une machine service plaque de l'État SE 06202, yon Toyota Land Cruiser couleur blanche. Dans machine ça, la police te joint en possession monsieur ça. Yon fusil Mark Ruger série 480 10 484. Deux pistolets du Mark Glock 19 génération 4, calibre 9 mm, série PW-539 avec un chargeur qui dégaine 15 cartouches. 10 250, 4 blocs chéquier qui sous le nom Banat Daniel, pièce identité. 2 téléphones portables, un Mac Samsung couleur noire et puis un iPhone. Jour qui te m'a dit 13 d'août là. Policier Jean-Benoît Luxon, alias Lovaquet y a besoin. Qui est poste péage dans le cimetière Carrefour. C'est un agent 1, 28e promotion, qui affecté dans l'Ouest 1, qui rejoint arrestation dans la direction générale de la police là, pendant qu'il devine chercher transfert pour lui aller dans un autre poste d'affectation. Pas oublier tout, dans permettre de retourner sur l'opération et hôtel là. Perquisition qui fait matin dans l'hôtel là permet que vous découvriez uniforme ça on a gardé là sur table là uniforme la police. Pas oublier nous toujours dit nous journalistes, il y a des bandits qui mettaient uniforme la police là qui a opéré.
Donc, dans cadre opération ça, mais en série dans uniforme ça y est que nous joignons dans l'hôtel envahi. Saisie de drogue. La police dans le département NIP privé saisi 5,5 kg cocaïne et 4,4 kg marijuana à bord d'un bateau qui est Destiny. Ils ont arrêté trois personnes, qui sont Claudie Joseph, 24 ans, Jeannot Aurélien, 25 ans, et Fritzner Selos, 45 ans. Dans le moment où on a parlé à là, le bateau est arrivé confisqué. Monsieur Sayo y a auditionné, enquête là dans le département l'a déclenché. Il y a plusieurs autres personnes qui répondent à la question de la police avec la justice. Dans le nord-ouest, toujours dans saisie droit, on a dossier droit. Il y a une information qui est disponible de un scandale qui pétait dans le nord-ouest. Et scandale ça, il y a un pouvoir à 130 kg de cocaïne. Commandement, la police là immédiatement déclenché une enquête. Dans le moment où on a parlé là, il y a une délégation inspection générale qui est déjà dans le département. Et aussi, il y a une délégation de la DCPJ qui est déjà dans le département parce que ça a arrivé, il y a enquête administrative, ça a privé tout, il y a enquête judiciaire, il y a plusieurs monde qui a questionné. Dans quatre dossiers, il y a quatre policiers qui sont déjà dans l'isolement. Parmi eux, deux agents, il y a un inspecteur divisionnaire et il y a un commissaire principal de police. Tandis que, il y a deux autres agents qui ont pris la fuite et l'investigation permet, ils ont déjà repéré et qui côté ils sont, et avis de recherche et ils ont lancé. Via Interpol, certainement, il y a qu'à arriver épingler M. Sayo et retourner par devant autorité policière et judiciaire en Haïti pour être capable de répondre des actes. Dans Bois-Coden, toujours dans la question de drogue, il y a une localité dans la section communale Belle-Orange, commune Belle-Anse. La police et la justice arrivent détruits sous un carotère et demi, un champ marijuana. Chambre Guanassa, enquête ouverte. Et la police a gain information sur propriétaire vaste et les gens qui sont impliqués de près ou de loin. Enquête la ouverte. Et en temps et lieu, nous sommes capables d'informer la presse qui salte exactement. La PNH a continué enquête pour arriver à mettre en bas tout le monde qui arrivait impliqué dans ça. Nous avons informé la population en tout. Matin, bon, il était qu'à 2 heures comme ça, bandit attaqué prison civile Saint-Macon. Côté plusieurs prisonniers en la fuite et yon la danyo, grâce à mariage police population qui commençait à bailler résultat, yon arrivé mette men sou yon nan yo dans ville Akaye et yon retourné par devant autorité. Dans échange coup de balle avec la police, la police avec Bandio gagne malheureusement 11 évadés qui mortellement blessés. Dans la nuit 15 d'août, Bandi rive envahi quartier Solino. Malheureusement, gagne un policier qui était dans zone là, qui est le James Saint-Ville, qui rive perdit la ville. Nous voulons attirer attention population. Hein? La police est rivée par renfort. De concert avec la population pour le calme qui est capable de retourner dans la commune, dans l'espace là. Gagnons l'autre dossier encore qui est en cours et tout près l'hôtel La Colombe, côté gagnons un véhicule qui est intercepté et document n'a pas gardé là au bossa chez Jourdan. C'est dans le véhicule ça et nous récupérons dans la prochaine rencontre que nous gagnons, n'a pas capable et par la police plus d'informations. Pour résumer, c'est Richelson Sénéjust, qui est un journaliste radio Panou, Daniel Banat, qui est un journaliste radio Ouga FM, Denilson Basile, qui était Delma, Juge Jackson, qui était Lamartin 54, Saint-Germain Christopherson, qui était Sat, John Whitney, qui était Delma, Westbert Emile, qui était dans la commune Port-au-Prince, Polycap Kevin Kings Bradley, qui c'est mon cité Soleil, Ville Fritz, qui c'est mon Clercine, qui était Clercine, Rico Dorseus,
qui était cité Gérard, c'est 10 moun sa yo, n'a gardé qui arrêté dans cadre opération et il y a 3 policiers qui interpellé qui investigation et a fait sou yo en temps et lieu n'a capable présenter yo. Comme bilan, 6 âmes parmi yo 2 manches longues qui saisi 195 cartouches de différents calibres, 15 chargeurs de différents calibres, 7 téléphones portables, 3 véhicules que nous capables de parquer derrière là. Après ça, quelques journalistes ou bien d'autres journalistes qui doivent regarder les 10,250 gourdes que nous avons joué en possession de Banat Daniel. Il y a un bateau qui est confisqué, c'est dans Nîmes. Et pour tout 13 monde intervenu. Moi, je remercie nous pour la présence nous. Et la police là, la continue le travail. Et il y a un devoir pour informer la population hein, qui ça la police a fait. C'est vrai que nous connaissons la population toujours à demander plus. Et c'est normal pour nous demander plus, vu la situation. Hein. Mais il faut quand même, quelque part, nous commencer et n'a pas avancé. Merci beaucoup, la presse. Merci. Arrêtez-moi. Dans l'hôtel là?
Donc, on a battu le pasteur, on a battu le pasteur, on a battu le pasteur, on a battu le pasteur.